Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je ne suis pas toute seule. Puisqu'on est avec... Bah avec moi, c'est Simon de Mandaril. Avec Simon de Mandaril. Et si vous avez suivi, il a aussi son personnage sur mon île. C'est lui qui a la maison que j'ai faite en One Piece. Et donc aujourd'hui, on va faire une chasse à l'habitant. Et je vous explique un peu les règles. C'est lui qui va choisir qui je prends. Alors j'ai un joker. Donc une personne que je peux refuser si jamais il choisit celle-là. Et il peut pas choisir quelqu'un que j'ai déjà eu sur mon île. Sauf Reynald. Oui, sauf Reynald. Parce que Reynald, c'est le sang. Reynald, c'est son joker, parce que j'ai l'amiibo de Reynald, et j'ai déjà eu sur mon île, mais il veut absolument Reynald. Donc là, j'ai 50 tickets en poche, même si je pense pas utiliser les 50, vu la patience de Simon. Non. Il n'y a pas des dodos comme personnage. Non. Sous les PNJ, il n'y a pas. C'est dommage, je trouve. Ouais. Si, y a que parce que c'est les plus travaillés au final, tu vois. Il n'y a que Joe. C'est un chien. C'est le seul PNJ qu'il y a aussi. Oh non. Oh, elle est horrible. Mais oui, mais elle est éclatée. Je la vois tout le temps. Elle est vraiment horrible. J'en peux plus des poulpes. Il y a que 3 poulpes, mais c'est sûr que je croise le poulpe. Mais les croix qui à terre, c'est pas des fossiles? Non, parce qu'à côté des bambous, il y a des pousses de bambous. D'accord. C'est gros ça, ça recabalène, non? Oui. Eh, je suis chaud, hein. Bon, du coup, Marina. Bah, au revoir. Au revoir. Je me rappelle qu'il y avait un jeu sur Game Boy Advance où il y avait un personnage un peu comme elle. Qui envoyait des boules. Tu vois pas? Boules de quoi? Des boules. Mais j'ai jamais eu de Game Boy. C'était... Tu vois les vieux jeux qu'il y avait sur téléphone où c'était un genre de petit train, de petites boules, et tu et avais un personnage qui envoyait des boules et tu devais faire une rangée de 3 avant que le train arrive à destination. Quoi? Non. Non. C'est pas grave. Mais bon, c'était il y a très longtemps, quoi. Bon, Reynald, le sang, là. Tu le vois pas? Si, c'est un petit singe. Ouais. Ils sont marrants, les petits singes. C'est Rudy. Oh, il est marrant, en vrai. Tu veux me prendre lui? Bah, je sais pas, il est marrant. Trop marrant. C'est un pote à Magogo. Oui. Mais Magogo, c'est mon goal. Je veux trop lui. Non. Excuse-nous, beau gosse. En vrai, il me fait rire. Hein. J'ai regardé à quoi elle ressemble sa maison. En vrai, il me fait rire. Hein. Je regarde. En vrai, il est marrant. Avec ses petites oreilles vertes. Mais j'aime trop les singes en vrai. Ouais, mais Reynald, quoi. Mais moi, je veux pas Reynald. Mais c'est le Goat. Mais c'est le Goat, mais j'ai son amiibo au Goat. À 500 likes, Mimi de Mandaril, elle fait venir Reynald sur son île avec ses amiibo. Qu'elle fait elle-même. Personne veut que j'ai Reynald sur mon île. Les gens n'aiment pas Reynald? Bah si, mais pas plus qu'un autre. Mais c'est le Goat, Reynald. Mais tout est trop bien. Mais non, son extérieur est éclaté. Mais oui, mais on s'en fout. Tu le veux pas? Bah si, il est marrant. Mais oui, il est marrant. Mais sa maison, elle est claquée. Sa maison, elle est claquée. Enfin, de l'extérieur, de l'intérieur, elle est stylée. Bah oui, mais personne voit de l'intérieur. Bah oui, mais... Mais c'est toi qui choisis, de toute façon, j'ai un joker, mais bon... Oui, mais il faut quand même que ça t'arrange un petit peu, quoi. Est-ce que... on est au troisième ticket, hein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a le temps encore? Oui. D'accord. On peut faire full. Ça se trouve, on va le recroiser après. Bah vas-y. Okay. On continue? Vas-y. Moi je veux Roy aussi. Juste pour la blague. Juste ouais. Pour le nom. Parce qu'il est moche. Juste pour le. Bah même mais pas parce qu'il est moche, juste parce qu'il s'appelle Roy. En vrai, Roy il était sur ma wishlist. Hein. Ouais, Gambette elle est moche. Hein. Elle est immonde. Et Kabuki aussi. Et Manfred. Mais Kabuki il est stylé. Manfred il me fait rire. Je déteste. Oh non. Mais je déteste ceux qui ont des habits chelous comme un cœur. Il a un château. Oh là là. Mais c'est trop bien. Et en vrai lui c'est le top 2.
Manfred? Ouais, c'est top 2 Manfred. Reynald top 1, Manfred top 2, Hervé aussi qui est marrant. Et Kabuki parce Kabuki, que. j'aime bien, genre, il est spécial, quoi. Mais sa maison, elle irait bien sur mon île en plus. Moi, c'est une genre de petite maison japonaise. Ah bah oui, c'est complètement ça. Ouais, Kabuki, c'est sympathique. Mais ceux de ma wishlist, tu peux pas utiliser ton Joker du coup. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. J'utilise pas le Joker pour Reynald, c'est tout. Parce que je veux dire, si on croise Manfred direct, tu Non, vas dire mais. Joker. Bah oui. C'est le but. Mais Manfred. T'as un Joker et j'ai un Joker, c'est tout. Ouais, ah bah oui, mais mon Joker. Ouais. Tu peux pas mettre mon Joker sur Reynald, du coup. Ouais. Même si ça me saoule. Ouais. Oh. Oh! Pas trop convaincu du style, mais. Frigga. En vrai, ça va, elle est pas si laide. Bah, avec des autres vêtements, oui, peut-être. C'est ça. Mais on peut le refaire d'autres vêtements. Donc. Ouais, je sais. On va chercher Manfred là. Road to Manfred. Road, c'est. La vidéo, tu l'appelles comme ça. Road to Manfred. Oh non! Oh, j'espère qu'on va croiser Hervé juste maintenant là. Comme ça, tu utilises son Joker et après on croise Manfred. Non. Bah, ça serait parfait. Hein. Non. Oh, j'ai peur. Va voir, il est cool. Comment il s'appelle lui? Je sais plus. Faust. Attends, je vais le chercher. Ah, il est stylé. En vrai, ça va. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnages stylés. En vrai. Oui, parce que quand je veux te montrer, tu t'en fous. Mais il aime la musique. Et sa musique préférée, c'est El Condor de Keke. Ouais. Il est simple et magnifique. Il adore le orange et le brun. Et il est né le 22 février. Et il est versatile. Eh, mais tu parles, là. Oui. Bah, je sais pas, utilise ton Joker. Tu veux le prendre? Non, mais tu vas faire exprès pour que je prenne mon Joker. Mais c'est pas juste. C'est le but du jeu. Non. Mais tu l'aurais pris vraiment? Bah, moi je le trouve stylé. Mais tu l'aurais pris? Je le trouve pas aussi stylé que les autres. Est-ce que tu l'aurais pris? En vrai, si je pars d'une île de zéro, oui, moi je l'aurais pris, je pense. Oh. Je pense que je l'aurais pris. Oh. En soi, je pense que je l'aurais pris. Mais si j'avais personne sur mon île, tu vois. Mais ça compte comme mon Joker ou pas? Non, c'est pas. Ok. Je disais, il faudrait qu'il fasse, genre, au lieu de retourner à l'aéroport chaque fois. Veux-tu aller voir une autre île? Oui. Ouais. Tu fais une escale ailleurs, tu vois. C'est pas compliqué de faire un bouton. Chez Nintendo, quoi. Bah, après, dans ce jeu. C'est pas fait pour ça. Voilà, dans le jeu, tout est fait pour que ça dure plus longtemps. Absolument tout est fait pour ça. Genre, les gens, ils ont poussé les chasses à l'habitant à l'extrême, quoi. Mais comme absolument tout. On voit rien. Oh non, il est moche. Au revoir. Vraiment, ceux qui design les. Des fois, je sais pas comment ils font. Il y a des habitants, ils sont beaucoup trop moches. Hein. C'est encore une île aux bombes. D'accord. J'ai déjà eu Kabuki sur une île aux bombes. D'accord. Oh, j'ai vu du jeu. J'ai vu à droite. C'est... Oh, c'est Jambon. Mais tu l'as déjà eu lui, non? Non. J'ai hésité à le prendre, genre j'avais hésité à la mettre sur ma wishlist. Je pensais que c'était l'autre. C'est la même, je crois. Non, je pensais que c'était Roy. Sa maison elle est bien aussi, je trouve. T'en penses quoi? C'est un quoi lui? De quoi? C'est un sportif, c'est un. Sportif, ouais. Ouais, non, il est sportif. Bah, Reynald c'est un sportif. Oui, je sais, mais Reynald c'est Reynald en fait. En fait, Reynald tu lui donnes des lunettes de soleil et c'est le boss donc. C'est une rockstar. T'as un joli petit outfit. En plus, j'imagine trop, tu sais, le deuxième dodo qui nous ramène chaque fois. Mm-hmm. Il fait faire de ses allers-retours. Mais oui, le pauvre. Après, il est payé, il s'en fout. Qui le paye? C'est pas Tom Nook qui le paye. Bah, tu payes avec tes tickets, non? Les tickets, c'est de lui rapporter quelque chose. Comment il nourrit sa famille? Comment il couvre ses œufs? Ils ont pas de famille, ils sont là à 24. Tu vas là à 3h. En fait, matin, les dodos n'ont pas disparu. Ils sont juste partis sur vos îles. C'est tout. Ils ont été rachetés par Nintendo. Mais on voit rien sur l'île. C'est grisé. Oh, il est moche. C'est une catcheuse. Je l'ai déjà eu. Non, c'est une super héros.
Mais je l'ai déjà eu, genre je l'avais pris pour Dory. Comment elle s'appelle? Grisette. Grisette. Il faut que tu fasses exactement la même chose qu'avec Invincible. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Arrête. Non, j'ai mis un coup de poing dans le micro. Du bruit. Je suis désolé. Si c'était si simple. Oh, y a des orages. Oh la YouTube Money. Y a des méga orages. Et alors? Mais c'est hyper rare. C'est rare. Ouais, de ouf. Vas-y, dis ce que tu penses d'Animal Crossing. Qu'est-ce que je pense d'Animal Crossing? Bah je trouve que le jeu il est inachevé. C'est tout. Pourquoi? Bah j'ai l'impression que c'est une démo quoi. Quand tu regardes tout ce qu'il y a là, enfin. Oui mais quand même si. J'ai l'impression on que peut c'est inachevé, s'asseoir. Tu vois. Non, c'est inachevé. On peut s'asseoir. C'est. T'imagines que rien que la mimique là, les gens l'ont attendu. Et quand ils l'ont sorti, c'était ouf. Après c'est de votre faute aussi. Hein. Bah oui. Mais c'est un jeu attachant quoi. C'est réconfortant. Mais le truc c'est que c'est trop long. Mais non, mais c'est le but du jeu que ça soit long, c'est même pas ça le problème. Parce que quand j'étais plus petit, genre je jouais à. C'était pas Animal Crossing, mais c'était Sims, je sais pas quoi, tu vois, My Sims, Kingdom ou un machin ainsi, tu vois. Et genre c'était à peu près le même jeu, tu vois, c'est à peu près le même délire. Ouais, mais t'as moins de créativité, genre t'as que de l'histoire, tu sais pas farmer des trucs. Oui, mais ça manque d'histoire, justement. Ouais. Ça manque d'histoire, ça manque de quelque chose. Mais dans Animal Crossing, il n'y a jamais eu vraiment d'histoire. Bah, il devrait, je trouve. C'est vraiment un truc de gestion, en fait. Bah, de gestion, bof, quoi. Bah si, tu gères ton île, tu gères tes habitants, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais, enfin, de gestion... S'ils veulent faire vraiment un truc de gestion, ils auraient dû pousser le truc à fond. Là, c'est pas un truc de gestion, c'est une démo de jeu de gestion. Avec des trucs mignons à l'intérieur, tu vois. Je trouve qu'ils nous donnent juste pas assez de trucs nouveaux, tu vois. Genre, ils font jamais de mise à jour. Enfin, au prix du jeu, c'est un bon jeu à 20€. C'est un très bon jeu à 20€. C'est même un excellent jeu pour 20€. Et pour 50€ à côté, quand t'as du Zelda. Moi, je l'ai bien rentabilisé, mais la 60. Oui, toi, oui, tu les as. Tu, oui. Après, c'est ton métier, hein. C'est ton métier, donc. Mon métier. Tu vis de ça, hein. Ouais, sûrement. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Non. Oh, c'est le crocodile? Ah non. C'est qui? Figaro. Il est moche. C'est encore un sportif. Zabdo. Mais il y a combien? Il y a 400 personnages. Mmh. Sur 400 personnages, ça a combien de personnalités? 4? 5? Non, il y en a 8. Mais c'est rien du tout. Ouais, mais chaque personnalité a un sous-type. Tu vois, comme Faust, tantôt, il était loisir musique. Et leur dialogue, il change, tu vois. Bah, j'espère bien qu'il change. T'imagines s'ils avaient tous le même dialogue? Ça aussi, c'est inachevé, je trouve. Ils devraient mettre un système d'influence. Comment? Tu vois? Bah genre, si, imaginons sur ton île, t'as plein de sportifs, t'as un paresseux. Mmh. Bah genre, tu vois sur la place tous les sportifs qui courent et qui sont trop marrants. Ah, ça, ils le font, ils ont et des genre, activités différentes. Bah oui, mais genre le paresseux, il voit tout le monde en train de faire un truc, il est rejoint, tu vois. Et genre, le sportif, il l'encourage ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Un système de... Ça peut être stylé de ouf, tu vois. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'ils devraient faire des relations entre les habitants. Lire son nom. Ouais, tu cuques. T'aimes bien? Non. Okay. Enfin, déjà, les personnages avec des masques... Non, mais j'aime pas non plus. Mais du coup, ce que je disais, c'est que genre... tu sais, toi, tu peux, à force de leur parler, de leur offrir des cadeaux et tout, tu peux faire évoluer l'amitié, tu vois. Du coup, ils te disent certains trucs qu'ils te disent moins au début, enfin, tu vois. Mais c'est pas très visible. Non, mais c'est un truc d'affinité, mais ça... Oui, mais ça serait marrant qu'ils aient des affinités entre eux. Oui, bah oui, c'est ce que je te dis. Mais genre sur l'application, là, ACNH Life, tu peux voir qui correspond, enfin, qui s'entendrait le mieux avec qui. Si ça arrive qu'ils se disputent, mais c'est très rare, quoi. Genre un personnage qui dit non, désolé, je veux plus venir sur ton île parce que... Non. Parce que ce personnage-là, il m'ennuie de trop et donc du coup, il a envie de partir, il fait ses cartons, ouais, mais ça, ce serait marrant, ouais. Mais oui, ça serait trop bien. Mais genre tout ça c'est pas difficile à faire. Non. Il est là le problème. Genre là par exemple, il y en a qui se disputent, qui sont là en mode ouais, elle m'a spoilé mon film et tout, elle me casse les.
Et après, tu dois aller leur parler pour qu'ils se réarrangent et tout, tu vois. C'est marrant, ça. Ou parfois, il y en a qui te disent « Ouais, je me suis disputé avec elle, tu veux pas lui donner mon cadeau parce que moi, j'ose pas lui donner et tout. » Mais c'est que les mêmes trucs tout le temps. Ouais. C'est toujours « Je me suis embrouillé avec un tel, va lui donner. Ouais. » Et puis, les trois quarts du temps, c'est un truc trop moche. Au final, je leur dis « Non, ça te va pas, retire ça, genre. » Ah, oh, je l'aime bien, elle. C'est Sophie, je crois. Gladys. Ouais, elle est marrante, c'est une grue japonaise. Bah le truc c'est vu qu'en ce moment je suis sur Wano à fond là, bah une grue japonaise c'est trop stylé. Enfin en tout cas je pense que moi, c'est ça. Moi j'aime bien ses grands yeux comme ça. Mais regarde un peu si elle a des cheveux. Parce que les... Là, tu vois c'est ça. Ouais. C'est trop cool. Parce que les... ça c'est une autruche du coup dans le jeu, tu vois. Ah c'est une autruche ça. Mais c'est considéré okay. Comme l'espèce, c'est une autruche quoi. Ok ok. Ah non, ça va, elle a pas de cheveux. Parce qu'il y a certaines autruches, elles ont trois poils sur le caillou. Non, vas-y, moi je suis bien chaud que tu. T'as problème ? Ouais, elle est cool. Bah, let's go. C'est inattendu. Par contre, elle va vite m'enlever son petit parka là, parce qu'il est vraiment très moche. Hein. Ah, mais c'est parce qu'il drache. Bah oui, j'imagine. Bon. Allez. Allez, viens. On te ramène. Oh, elle est trop mignonne. Ah ça va, je suis contente. Je pensais que t'allais même me prendre pire. Bah... Enfin, elle était pas sur ta wishlist au final, donc... Non, parce que j'ai pas fait attention. Après, de toute façon, sur une application, c'est un peu moins bien que mais sur... Oui, mais oui, mais je jeu, te l'avais dit, ça, que si ça se trouve, tu vas en voir un, tu vas être là en mode oh, « Vas-y, prends celui-là. » Mm-hmm. Non, il est cool. Allez, hop. En combien de tickets, du coup? Je sais pas, genre une dizaine. Regardez, j'en avais 50. 11. Trop chaud en fait. C'est vraiment trop chaud en fait. Ah mais on va pas regarder sa maison. Oh, oh imagine le... Non, surprise. Oh bah ça va. Ouais ça va. Ça va. En plus ça fait un petit peu japonais. Tu vas devoir faire un petit coin japonais en fait à ce que je comprends. Ça va pas du tout dans les couleurs. Non. It is Gladys. Trop stylé. Tu vas devoir faire un petit coin japonais. Et quoi, on pourra pas faire une vidéo Simon fait le coin de Gladys. Si on peut. Bon, du coup, on termine cette vidéo. C'était trop marrant. Ouais, c'était cool. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, que j'invite Simon de Mandaril. Je pense qu'il a kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Peut-être que je filmerai une vidéo avec ma petite sœur encore. Je suis contente de qui t'as choisi. Je pensais vraiment que t'allais me prendre quelqu'un de trollé. Parce que là, j'ai même pas dû utiliser mon joker. Alors... Bah ouais. Malheureusement, moi non plus. Pauvre Reynald. Mais on a dit, il est 500 likes, je prends Reynald. Ouais, mais à 500 likes, elle prend Reynald. Reynald, le boss, je suis désolé, mais le goat. Le goat. Reynald, le goat. Ah, 14h14. Bon, du coup, on vous dit, enfin, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye. Je vais marquer bye bye. Je suis un guerrier.